Nous autres, comme physiothérapeutes, nos tâches sont très simples. On évalue les blessures musculo-squelettiques des gens. Donc, s'ils ont des maux de dos, maux de tête, maux de pied, maux d'oreille, peu importe. On évalue pour essayer de trouver la cause du problème. Puis de là, mais avec nos techniques qu'on a comme thérapeute, on essaie de les aider, de guérir leurs blessures le mieux qu'on peut. Le plus grand défi pour moi en physio, c'est maintenir tes critères d'apprentissage. C'est une profession qui grandit, puis ça coûte très cher s'éduquer. Mais il faut maintenir nos compétences. On veut vraiment qu'on voit la qualité de la profession. On recherche des physios toujours parce que la population en général vieillit. En plus, la population est beaucoup plus active qu'elle était, comme la santé, l'exercice, c'est plus genre à la mode que ce l'était il y a 20 ans. Donc, les gens sont plus actifs, les gens se blessent plus. Donc, les gens vont avoir besoin beaucoup de thérapeutes dans le futur pour les aider à maintenir leurs activités, rester en santé. Comme échelle salariale, comme physio, ça dépend vraiment dans quel domaine. Mais en général, tu peux commencer environ à 40 000 par année. Puis tu peux monter jusqu'à 80, mais ça dépend vraiment de l'environnement et de la province. Je pense qu'au secondaire, faut, comme je dis, il faut tout avoir tes sciences, donc genre tes bio, tes chimies, tes physiques, parce que maintenant, la physio, c'est devenu une profession auquel on a besoin d'une maîtrise. Comme qualité et compétence pour, si j'aurais engagé un jeune physio, ce serait définitivement leur personnalité. On a la chance d'être intervenant dans beaucoup dans la vie des gens, développer des techniques avec nos clients pour qu'ils peuvent rester en santé, pas nécessairement guérir leurs bobos présents, leurs blessures présentes, mais promouvoir le bien-être en général. Donc, comme physio, je trouve qu'on a quand même une implication très, très importante dans la santé puis la prévention des maladies.